à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon dernier coup de cœur bande dessinée et du duo Salva Rubio et Efa. Le premier est scénariste et le deuxième est illustrateur. Notons d'ailleurs la très belle affiche qu'il a signée pour le Salon du Livre du Pays du Coquelicot en 2018. Leur dernier biopic, Django, Main de Feu, est consacré au guitariste Django Reinhardt. Si un don a frappé le petit Django à devenir un guitariste hors pair, c'est un accident malencontreux qui aurait pu ruiner ses chances de devenir célèbre. Mais son caractère obstiné et son amour de la musique l'aideront à retrouver les cordes de sa guitare. C'est une lecture agréable, tant sur les illustrations signées Efa, que sur le scénario retranscrit au plus près de la réalité. D'ailleurs, des éléments biographiques, à la fin de l'album, nous en apprennent davantage sur Django Reinhardt, sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée. Notons par ailleurs la préface de Thomas Dutronc. J'ai eu plaisir à retrouver le duo Efa et Rubio, que j'ai rencontré avec l'album Monet, Nomade de la Lumière, consacré à l'un des plus grands maîtres impressionnistes. La petite touche en plus, c'est de savoir que ce duo travaille également sur un biopic consacré au peintre Degas. Si vous souhaitez retrouver Django Reinhardt, n'hésitez pas à consulter la médiathèque numérique. Vous y retrouverez le film sorti en 2016, Django. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt dans les bibliothèques du Pays du Coquelicot. N'hésitez pas à nous demander les BD dont je vous ai parlé à l'instant. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.